Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, pour entamer une nouvelle semaine, nous sommes lundi 20 novembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère, et j'espère que vous avez passé un très joli week-end. On va continuer avec le tarot Vision Quest et on terminera avec l'oracle de l'évolution. Mais avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la mère de la terre, sollicitude. Et l'essence de cette carte, eh bien, elle représente la fécondité, la famille. On peut le voir, hein, cette dame avec un enfant dans les bras, une grande générosité. L'essence aussi est liée avec la nature, mais elle pourrait parfois dire qu'on fait trop de sacrifices et des sacrifices exagérés. Le message intérieur, eh bien, il est maintenant important de vous ajuster aux ondes de votre corps et de l'écouter. Si vous apprenez à vous respecter encore plus, vous donnez ainsi plus de force encore à l'ensemble du système de votre corps. Si vous commencez par être encore meilleur envers vous-même, eh bien, le cycle de donner et de recevoir, hein, s'accomplira d'une façon, eh bien, très, très harmonieuse. Vous disposez maintenant des forces qui vous sont immédiatement nécessaires pour, eh bien, vos responsabilités extérieures. Maintenant, que veut dire cette carte, la manifestation intérieure? Eh bien, la capacité à porter les soucis des autres demande beaucoup de force. Préserver un équilibre sain relève ainsi d'une grande importance. Vous savez, vous n'aidez personne, n'est-ce pas, en vous écroulant de fatigue? Simplement parce que vous ne pouvez pas vous empêcher d'aider les autres. Vous ne pouvez pas sauver les autres. Votre tâche est de trouver à présent, eh bien, un point calme. Un point calme pour vous-même. Bien que toutes les vigueurs et forces proviennent de l'intérieur, n'est-ce pas? Eh bien, notre corps a tout de même ses limites, hein? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? De les respecter. Et c'est ainsi que vous aurez toutes les forces du monde à votre disposition. Très, très beau message pour commencer cette semaine. Je termine avec le petit oracle de l'évolution, et j'ai pigé « Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Et cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Alors, aujourd'hui, comme les autres jours, félicite-toi, tu le mérites. Félicitez-vous aujourd'hui, demain, après-demain et tous les jours suivants.
C'est important de reconnaître ce qu'on le mérite. Très très beau message, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve eh bien demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.